Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant des Copos. Nous sommes actuellement en décembre, mais enfin normalement, parce que si tu regardes cette vidéo en juillet, ce que je dis n'aura aucun sens. C'est donc pour moi l'occasion de vous donner une petite idée cadeau pour les plus bricoleurs d'entre vous, que vous soyez professionnels ou amateurs d'ailleurs. Alors j'ai été contacté par la marque Ligou pour vous parler de leurs produits. J'ai trouvé ça assez intéressant car c'est un produit qui me paraît cohérent avec le thème de la chaîne. Et c'est en plus un produit conçu et fabriqué en France, et vous le savez, j'aime bien mettre en avant les initiatives nationales. Bon, je ne vous fais plus attendre, il s'agit d'un éclairage mobile et modulable à souhait. Une très grande majorité d'entre vous qui me suivez sont des bricoleurs avertis ou même des professionnels. Dans les deux cas, il peut vous arriver d'être en galère d'éclairage parce que vous bossez dans des conditions qui ne sont pas forcément top. On va pas se le cacher, même moi qui suis dans un atelier, ben j'apprécie bien d'avoir un petit éclairage à point. Le principe est simple, il s'agit en fait d'une espèce de galet lumineux qui se clipe sur plusieurs modules. Il existe d'ailleurs une multitude de packs allant de 30 à une soixantaine d'euros. Ligou m'a fourni un pack pro pour vous en parler. Comme son nom le laisse supposer, il s'agit là du pack le plus complet. La lampe est donc livrée dans une très belle housse semi-rigide, de belle facture, avec à l'intérieur tous les différents éléments. Cela comprend un espèce de tube pour l'utiliser comme une lampe torche, une lampe Ligou blanche, un clip pour l'accrocher sur une veste ou l'aimanter sur un support en métal, et une accroche. Une deuxième lampe rouge, qui m'a été donnée en plus. Deux câbles USB viennent avec tout ça pour recharger les lampes. Un bandeau souple, pour l'utiliser en frontal par exemple. Un espèce de cerclip en plastique. La lampe est construite en polycarbonate, ce qui la rend résistante au choc et à la pluie. Elle va en théorie jusqu'à 6 heures d'autonomie, mais pour ma part, en l'utilisant à son intensité maximale, je tiens environ 1 heure. Comme dit précédemment, la recharge s'effectue via un port micro USB. L'éclairage est bon, voire très bon. Je sens que je vais bien l'apprécier pendant les longues nuits d'hiver. La rotule montée avec le système d'aimant et de pince est très pratique, et permet une orientation dans toutes les directions. Le fait de pouvoir la fixer sur mes machines lorsque je travaille est très appréciable. Pour ma part, j'ai dédié l'une des lampes à l'éclairage de mon imprimante 3D. Ligou m'a donné l'occasion de vous faire gagner un pack, Noël oblige. Pour cela, il vous suffit de me faire savoir dans les commentaires de la vidéo, alors je précise bien sur YouTube, voilà, que vous souhaitez tenter de gagner la lampe. Et j'en choisirai un au hasard. Je vous donne jusqu'au vendredi 15 décembre pour jouer, surveillez donc bien vos réponses aux commentaires d'ici là. Si vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus ou que vous souhaitez vous le procurer, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. Et comme à chaque fois, moi je dis ça, je dis rien. Ah, petit aparté au fait. Alors la marque Ligou m'a demandé, après que j'ai fini le montage de ma vidéo, de vous communiquer un petit code promo qui vous donnera 20% sur le prix de la lampe. Donc quand vous lâchez, vous suffit de taper le code COPO et vous aurez cette petite ristourne. Voilà, j'ai toujours ça de gagner. J'espère que cette petite présentation slash idée cadeau vous aura plu. D'ici là, bricolez bien, faites attention à vos doigts. Moi je vous retrouve dans un prochain épisode de l'Instant des Copos. Salut !